Bonjour à vous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Patrice Raganelli. Bonjour Patrice. Bonjour Gabriel. Alors Patrice, c'est un petit phénomène que j'avais envie depuis longtemps de vous présenter, qui va plutôt lui se présenter. Alors rapidement, Patrice, c'est un ancien stagiaire de formation professionnelle en technique psychocorporelle de massage bien-être, qui a fait plusieurs modules il y a 2 ans et qui, dans le cadre de ses validations l'année dernière, m'a annoncé plusieurs choses et en particulier avoir réalisé une pause alimentaire de 13 jours. Donc déjà dans ce cadre-là, j'avais très envie de lui proposer de nous raconter ça et puis peut-être d'autres choses derrière. Mais nous allons voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Patrice, tu as fait cette pause alimentaire de 13 jours l'année dernière. Hein? Oui. L'année dernière, dans quel cadre, dans quel contexte, pourquoi, comment, quel bénéfice? Alors, je suis depuis 3 ans une formation en naturopathe. Et dans le cadre de cette formation-là, il est obligatoire, de suivre un stage de pause alimentaire d'à peu près 5 jours. Voilà, pour découvrir les sensations de ton organisme. Et 5 jours dans l'ensemble de son cursus de 3 ou 4 ans. C'est quoi? C'est 3 ou 4 ans la formation? Alors c'est 3 ans. 3 ans, voilà, et donc dans ces 3 ans, tu es obligé de faire 5 jours ou c'est 5 jours par an? C'est 5 jours une première fois, ouais, en tant que participant. D'accord. Et une deuxième fois en tant qu'accompagnant. D'accord. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai décidé par contre de faire ce stage de 5 jours, de le devancer un petit peu, ce qui signifie que je suis passé de 5 à 13 jours de pause alimentaire. 13 jours c'était volontaire, c'était voilà. Imposé, c'était comment? 13 jours c'était volontaire justement. D'accord. C'est pour aller un peu plus loin de ce que des sensations que je, ouais, je pourrais avoir et découvrir par rapport à mon organisme et surtout pour pouvoir en parler à mes futurs patients, ouais, à mes clients, on va dire. Aujourd'hui, tu en es où dans ta formation? Tu as bouclé ton cursus de naturopathe, tu es naturopathe et tu en es où? Alors voilà, aujourd'hui j'ai passé mon premier examen pour être naturopathe qui est donner une conférence devant des personnes que j'ai donné récemment et que j'ai eu. Donc voilà, ça suit son cours, mais j'exerce déjà depuis novembre dernier, à Dombasle. Donc grande couronne Nancy. Grande couronne Nancy, voilà. Je donne des conférences, je donne des consultations et je prends des personnes en coaching sportif, notamment une personne qui a participé à l'Ironman cette année à Francfort. Très bien. Si on revenait sur cette expérience de 13 jours, tu as fait ça dans ce cursus, tu étais uniquement dédié à ces 13 jours où tu allais à l'école, tu allais en formation, tu pratiquais, tu travaillais en même temps, tu étais au repos chez toi, tu faisais comment? Alors j'étais au repos chez moi pendant, on va dire, les 8 premiers jours. Ouais. Et puis après, je suis allé justement faire ce stage pendant 5 jours. Mmh. C'était à Baerenthal. Donc dans la Moselle aussi, ouais, hein, mais fin fond de la Moselle. Et donc suite à ça, on a fait des cours hein, sur la pause alimentaire, comment l'organisme fonctionnait. Mmh. Et moi, je me suis vraiment intéressé à tout ça, mais voilà, j'avais déjà commencé 8 jours avant. D'accord. Et alors, expérience de 13 jours, c'est quand même conséquent. Très positif. 13 jours continus. 13 jours continus. Continue. Plus, enfin en comptant aussi la préparation, hein, j'ai eu une préparation on va dire de 2 semaines, mais en sachant que la préparation a été très facile pour moi puisque je mangeais déjà plus de sucré, je fumais pas, je bois pas de café, donc pas d'alcool, peut-être. Je bois quasiment pas d'alcool, on D'accord. va dire, et donc cette préparation là a été beaucoup plus facile pour m'amener vers la pause alimentaire. Et en l'occurrence, même si préparation facile il y a eu, est-ce qu'il y a eu à minima une certaine appréhension de se lancer dans ce 13 jours? Non, parce que pendant la formation que j'ai eue en naturopathie, on a commencé à voir tout le fonctionnement hépatique, etc. Ouais. Au début, j'avais peur de la formation. Ouais. Mais par contre, petit à petit, en connaissant mon organisme, voilà, j'ai eu beaucoup moins d'appréhension. Et donc, je suis parti de moi-même sur ce stage de 13 jours, on va dire,
serein, très serein. D'accord. Très bien. D'ailleurs, à la reprise alimentaire, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre l'alimentation, mais comment ça s'est passé, que j'étais invité entre guillemets voilà, chez des amis. Mmh. Et donc du coup je ne me voyais pas leur dire bon bah je mangeais plus depuis 13 jours et du coup j'ai repris cette alimentation du jour au lendemain, on va dire. Pour revenir sur le pendant cette pause alimentaire, qu'est-ce que tu as vécu peut-être comme événement majeur, mineur, comme fait marquant de cette pause dans ta vie de suspendre l'alimentation? Alors, beaucoup de calme, beaucoup plus de calme en moi-même, ouais. Beaucoup moins nerveux, mm-hmm. Beaucoup moins fatigué aussi, avec un regain d'énergie, on va dire. Beaucoup moins fatigué, ça veut dire est-ce que le corps était fatigué et ça te permettait de te poser, non. De décompresser? Non, j'étais pas spécialement fatigué avant. J'étais pas spécialement fatigué avant, ça, mais c'est important de préciser. Voilà. Hein. Mais même pendant la pause alimentaire, j'étais pas plus fatigué. Pendant la pause alimentaire, t'étais pas spécialement plus fatigué. Tu l'étais pas non plus davantage avant la pause alimentaire. Voilà. En tout cas, de ne pas manger pendant toute cette période, t'as fait gagner. Un regain d'énergie. Trouver, obtenir un regain d'énergie. Voilà. Que t'expliques comment, toi? Alors, en naturopathie, on l'explique simplement. C'est-à-dire qu'on a une énergie vitale, on est animé d'une énergie vitale. Énergie vitale qu'on appelle énergie universelle de vie. Voilà, une énergie universelle de vie qu'on peut capter par l'énergie du soleil, de la nature, les arbres, la terre, toute cette, l'alimentation. Alors, ça en fait partie aussi en naturopathie. Donc, c'est intéressant parce que Patrice, dans le langage naturopathique, traduit dans son langage ce que nous appelons manifestement la même chose, dans le langage un petit peu New Age, le prana, ou dans le langage scientifique quantique, le biophoton, énergie universelle de vie. Je pense qu'on parle de la même chose. Oui, tout à d'accord. Fait. D'accord, ok. Voilà. Donc cette énergie, quand elle est dans notre organisme, en fait, elle va se manifester sur quatre de nos fonctions. Le cortex, donc système cérébral, on a le système musculaire, système digestif et le système nerveux. D'accord. C'est quatre systèmes. Donc à partir du moment où tu vas laisser un système au repos, forcément, tu vas avoir plus d'énergie pour le reste. Ok. Voilà, ça se traduit tout simplement. Donc là, on va laisser le système digestif au repos. Donc on va avoir de l'énergie beaucoup plus disponible pour le reste de nos fonctions. Il n'y a plus d'énergie consacrée à la digestion et cette énergie va être utile pour le reste. Pour le reste, d'accord. Tout à fait. Notamment aussi pour la régénération cellulaire. Et okay. Ça c'est très important parce qu'en règle générale, on commence toujours par se régénérer au niveau intestinal. Oui. Voilà. Donc c'est toujours les cellules intestinales qui vont se régénérer en premier. C'est pour ça que la majorité des gens, des personnes, quand ils font une pause alimentaire, vont ressentir des petites choses au niveau des intestins. Mm-hmm. Hein, des picotements ou alors des douleurs aussi intestinales, des ça douleurs, peut arriver. Des douleurs, des nausées, des contractions, une perturbation du transit intestinal, c'est assez fréquent de constater ça. Bon, très bien. Alors, en l'occurrence, toi, pendant ces 13 jours, outre le fait que tu t'es senti avec un regain d'énergie et donc mieux, en meilleure forme, est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices à cette pause? Alors l'esprit déjà plus libre, ouais. Moins encombré. Ensuite, on dort beaucoup moins. Tu as dormi beaucoup moins? En règle générale, ce qu'on observe, j'ai dormi beaucoup moins, tout ouais. À fait. Hein, parce que, en fait, comme on a un regain d'énergie, surtout, on a beaucoup moins besoin de reposer l'organisme et on est beaucoup plus apte à faire les choses. Alors, voilà, il y a des personnes qui allaient faire un petit peu de randonnée pendant 2 heures, mais tout ça au calme, hein, parce que il faut éviter quand même de faire des évidemment. Surstimulés parce que là on a beaucoup moins de régénération. Ben oui, parce que non seulement il y a d'une part il y a une économie d'énergie parce qu'il n'y a plus la digestion dans cette pause, mais si pendant cette pause il y a stimulation. Un trop d'activité ou une surstimulation de l'organisme par l'activité ou par autre chose, ne serait-ce que autre chose pouvant être aussi la mentalisation, l'anxiété, le fait de ne pas être tranquille dans cette pause, ça dépense de l'énergie. Hein? Combien d'heures tu dors d'habitude et combien là est-ce que tu dormais pendant cette pause puisque tu as dit dormir moins? Alors je dors environ à peu près 8 heures, 8 ouais. heures, 9 heures. D'accord. Là on va dire que 6 heures, 7 heures. Ouais, 6 heures, ça me suffisait, quoi.
Donc tu dormais un quart de temps en moins. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu pendant cette pause alimentaire des inconvénients, des désagréments, moins confortables? Non, moi j'ai pas eu tout ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans mon alimentation, quand j'ai commencé la naturopathie, j'ai tout de suite enlevé des choses qui étaient néfastes pour mon organisme, comme tout ce qui est boissons sucrées, voilà. Le sucre en général. Café, cigarettes, enfin tout ce qui est vraiment stimulant et tout ça, j'ai arrêté. Ouais. Et j'avais une certaine déjà hygiène alimentaire qui allait un peu plus vers la normalité, ouais, au niveau humain. Mmh. Voilà. Très bien. Ok. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais toi du fait de se poser de temps en temps, une fois exceptionnellement ou régulièrement, je sais pas. Qu'est-ce que tu suggérerais sur la pertinence de ces pauses alimentaires aux gens qui nous regardent et qui n'en ont jamais fait? Est-ce que c'est une bonne chose d'inscrire ça dans son hygiène de vie? Alors tout à fait, ça peut être une bonne chose pour quasiment, on va dire, la plupart des personnes, puisque ça permet justement de mettre ce qu'on appelle le corps en autolyse. Alors l'autolyse, c'est quoi? C'est, on va dire, aux cellules, elles, de s'auto-nettoyer, elle va se déstructurer, et donc du coup, pour pouvoir nettoyer son organisme. D'où le principe de régénération que tu évoquais tout à fait il y a quelques instants. Voilà, et donc le faire une fois de temps en temps, une pause alimentaire, serait très bénéfique pour les personnes, puisque donc régénération des cellules. Voilà, Patrice, tu illustres complètement ce qui a été démontré par le dernier prix Nobel de médecine. Tout à fait. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans les précédentes vidéos jusque-là. D'octobre 2016, le biologiste japonais Dr Oshinori, Yosumi Oshinori, a été récompensé justement pour ses travaux sur les principes d'autolyse et d'autophagie dans le cadre de la pause alimentaire. Tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi qu'en Allemagne, ça fait des années, des décennies, on va dire, ouais, qu'on se sert du jeûne thérapeutique. De la pause alimentaire. De la pause alimentaire, pardon. En thérapie, pour des personnes qui sont atteintes de cancer et de maladies beaucoup plus sévères. Alors, ce sont des pauses alimentaires qui vont durer au moins entre 3-4 semaines, voilà, des fois plus. Est-ce que toi tu verrais à ton niveau, parce qu'on aborde rapidement le cas du cancer dans ce cadre-là, est-ce que tu verrais des contre-indications aux pauses alimentaires d'un point de vue général? Alors, il faut se méfier avec les diabétiques de type 1, bien sûr, par exemple. Le pancréas ne fournit plus d'insuline et donc on aurait tendance à faire de l'hypoglycémie très rapidement. Donc là, il faut vraiment se méfier, parce qu'en fait, quand tu vas faire une pause alimentaire, tes fonctions vont être au minimum. Mm-hmm. Donc on va avoir une chute en tension, on va avoir une chute du diabète, une diminution de la tension artérielle. Voilà, une diminution de la tension artérielle, une diminution d'activité du pancréas. Activité du métabolisme, diminution, pareil. Et donc, pour les diabétiques de type 1, c'est un peu plus risqué. Voilà. En sachant que c'est un risque et c'est un faux risque, parce que de toute manière, le diabétique insulino-dépendant, Alors, c'est le diabétique insulino-dépendant, c'est le type 2. Le type 2, on peut faire une pause alimentaire. Diabétique de type 1, c'est complètement différent. L'insulino-dépendant, lui, va se surveiller, va se gérer, va mesurer ses glycémies et normalement auto-régulariser son taux de sucre dans le sang par ses prises d'insuline par injection. Donc normalement, effectivement, il y a un risque modéré à partir du moment où la personne surveille et, entre guillemets, ne fait pas n'importe quoi. Tout à fait. Donc il y a une régulation qui se fait aussi par le fait des mesures glycémiques et des injections piqûres. Ok. D'accord. En dehors de du cadre du diabète, est-ce que tu verrais d'autres contre-indications? Alors, pour avoir suivi le stage l'année dernière, donc on nous avait déconseillé aussi les personnes à forte problème psychologique. Bien sûr, ça voilà. C'est évident. Instabilité psychologique. Les personnes qui sont un petit peu trop dans leur sphère mentale d'un point de vue névrotique,
ne parlons pas des psychotiques, c'est encore moins facile. Et dans la sphère mentale, voulant dire aussi pas ancré dans le ici et maintenant et dans leur corporalité au sens large. Donc effectivement, c'est et puis toute personne dépendante au sens large, alcoolodépendante, les produits, les toxiques, les médicaments. Donc évidemment, ça relève du cas par cas. Bon. Alors, il y a quelque chose d'autre que tu m'avais évoqué l'année dernière et qui m'avait laissé perplexe. J'avais toujours gardé ça dans le coin de ma tête et j'y suis revenu à mon niveau, je me suis documenté. Effectivement, c'est une chose intéressante puisque tu avais abordé, dans le contexte d'une formation, des profils glandulaires. Est-ce que tu pourrais nous en parler, présenter rapidement, succinctement, en quoi consistent les profils glandulaires ? Oui, donc en fait, le système glandulaire, voilà, donc on a des glandes qu'on appelle des glandes endocrines, que sont la thyroïde, l'hypophyse, la glande pinéale et les glandes surrénales. Ces glandes-là sont représentées au niveau du crâne, suivant la morphologie de votre crâne. Donc on va dire qu'un front assez large peut faire paraître un profil qu'on appelle hypophysaire. Ouais. Donc le profil hypophysaire, c'est un profil en règle générale intelligent, qui est vraiment dans les études, dans tout ce qui est ingénierie. Donc, il y a plusieurs profils glandulaires, essentiellement quatre, hypophysaire, thyroïdien, surrénalien, pinéalien. En tout cas, il y a plus que quatre glandes endocrines. Il y en a d'autres, il y a l'hypothalamus, il y a la glande pituitaire, il y en a d'autres. Il y a le pancréas qui est une glande endocrine. Ceci dit, qu'est-ce que décrit le médecin qui est à l'origine de ce concept des profils glandulaires ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Alors, il décrit que pour chaque dominante au niveau des glandes qui se représente au niveau de la boîte crânienne, on a un certain profil de personne. Oui. Et une certaine trait de caractère de personne. D'accord. Par exemple, les personnes qui vont être thyroïdiennes, donc qui vont avoir en fait le sommet du crâne bien développé, ces personnes-là vont sommet du crâne, front, c'est ça. Voilà, sommet du crâne ici, ouais. On va dire. Là, ici, c'est la thyroïde. Mm-hmm. Voilà, donc tout ce sommet-là, on va dire. Voilà. Ces personnes-là vont être plus des personnes sensibles. Ils vont avoir un côté artistique développé. Donc tout le côté danse, etc., musique. Mm-hmm. Et donc, s'ils ne se réalisent pas de ce côté-là, eh bien, ils vont être un petit peu désorientés. Psychologiquement, ils sont dans quel profil ? Ce sont des personnes qui restent très affectives, d'accord, qui sont très émotives, d'accord, aussi, et très sensibles. Okay. Voilà. Donc ces personnes-là, si, suivant les personnes qu'ils vont rencontrer, il y aura plus ou moins d'affinité, on va dire. Un petit peu comme tout le monde, peut-être. Voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est le thyroïdien. Qu'est-ce qu'on a après ? On a l'hypophysaire. Donc on a l'hypophysaire. L'hypophysaire, c'est le front, la partie du front donc, qui est très développée aussi. Et donc ça traduit pour des personnes donc, d'un niveau très cérébral, donc très élevé. Cérébral, ça veut dire cartésien. Voilà, cartésien, ça veut dire des personnes très intelligentes au niveau intellectuel, rationnel. C'est ça, rationnel. Ok. Psychologiquement ? Ce sont des personnes assez fortes quand même. D'accord. Forte personnalité, tu veux dire ? Oui. En termes de profil de morphotype, en termes de morphotype, elles ont un large front, est-ce qu'elles ont les mâchoires ou quelque chose d'autre qui va aussi avec ? Alors non, pas forcément, ça dépend des personnes. Là on parle uniquement de morphologie glandulaire. D'accord. Après, il y a une autre morphologie qu'on appelle la morphologie type. Où là on va prendre les étages du visage, le front, la partie centrale et la partie basse, qui peuvent traduire d'autres choses. Hein. Par exemple, les personnes qui ont les parties larges en bas, évasées, bien larges, ce sont des personnes qui,
qui ont un métabolisme très avancé pour eux. Donc ça veut dire que l'alimentation est très importante leur bien-être. Une gueule à l'américaine, à la Belmondo, c'est ça, c'est un petit peu ça, ok. Ouais. Donc ces personnes-là, l'alimentation est très importante pour eux. D'accord, voilà. D'accord. Donc on va parler maintenant peut-être du surrénalien. Donc le surrénalien, ce sont les deux glandes qu'on retrouve au niveau des reins. Le surrénalien, c'est ces glandes au niveau, elles se traduisent au niveau bas du crâne, sur deux. À l'arrière et bas du crâne. À l'arrière et bas du crâne. Ouais. Voilà. Donc là, ce sont les personnes qui sont vraiment dans l'action, qui sont massifs. En règle générale, ça peut traduire des personnes, on va dire, sanguines. Ouais. Voilà, moi, je suis surrénalien. Uh-huh. Je suis tout le temps dans l'action. Ces personnes-là, en règle générale, dès qu'ils sont debout le matin, ils sont au taquet dès le matin. Par contre, leur énergie, elle faiblit vers 8h, vers 20h, 21h. Est-ce que le surrénalien, ça pourrait être un petit peu le profil à la Mike Tyson, le gros coup ? C'est un peu caricaturé. Hein. Ouais, c'est un peu caricaturé, il faut les regarder. C'est pas parce qu'il a un gros cou que c'est forcément un surrénalien. C'est vraiment à la base du crâne, non pas le cou. D'accord. Donc, à l'inverse, par exemple, les personnes qui sont thyroïdiennes vont voir leur énergie commencer à arriver petit à petit, dans la matinée, lentement, pour en fin de journée être au taquet au niveau de leur énergie. D'accord. C'est pour ça qu'en règle générale, les personnes thyroïdiennes ont besoin de stimulants, comme le café, comme les cigarettes, comme l'alcool. Hein, donc au bout d'un moment, ils ont besoin de se stimuler ou de se surstimuler. Intéressant. Et enfin, le profil pinéalien. Alors le profil pinéalien, ce sont des personnes qui sont souvent ancrées, donc le ciel, la spiritualité, ce sont des philosophes aussi. Hein, donc pour eux, le ciel, la spiritualité est très importante. D'ailleurs, ils en oublient même de retomber un petit peu sur terre. Donc ces personnes-là, il faut les ramener sur terre par l'ancrage. D'accord. Ce sont des gens qui ont un certain profil crânien. Alors oui, tout à fait. C'est l'arrière du crâne, on va dire, qui est en forme de poire, comme Gandhi. Le crâne de Gandhi, c'est typiquement un pinéalien. D'accord. En forme de poire. D'accord. Dans la relation à la nourriture, est-ce que tu pourrais rappeler le thyroïdien, sa relation à la nourriture, elle est plutôt comment ? Alors sa relation à la nourriture, elle est plutôt, lui, il ne faut rien lui imposer. Ouais. Comme si c'est un côté artistique, on va lui dire, voilà, on va jouer sur son physique, ça va vous apporter ça, ça va vous apporter ça. Mais cette personne-là, on ne peut pas lui imposer un changement de nourriture. En tous les cas, il faut lui amener petit à petit, voir pourquoi on va lui changer son alimentation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui imposer un changement, si tant est qu'on le fasse, parce qu'il n'y a rien à imposer à personne de toute manière, mais pourquoi on ne peut pas lui imposer ? Parce qu'il a vraiment ce côté artistique, il se revendique libre, voilà. Et il n'est pas bien dans les contraintes. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est très intéressant, cette relation à la nourriture chez ces différents profils hormonaux, que nous sommes tous selon une prédominance, bien sûr, d'où une certaine facilité que nous pouvons avoir à réaliser des pauses alimentaires, j'imagine. Est-ce qu'on peut imaginer que le surrénalien, qui est plutôt dans la relation à la terre, il va se nourrir de façon plus conséquente et plus solide ? Oui, et on peut l'imaginer. Par contre, il aura peut-être un peu plus de facilité à ce qu'on lui mette une certaine hygiène alimentaire à sa disposition. Mais il faut faire attention parce que il n'y a pas que les profils glandulaires qui vont compter, il y a surtout les étages au niveau du visage qui comptent. Hein. Si cette personne-là, donc effectivement c'est un surrénalien, mais qu'en plus, donc il a l'étage du bas métabolique très développé, là on va avoir du mal. Comparativement au surrénalien, si je prends le pinéalien qui est plutôt entre guillemets connecté ciel, qui se nourrit de peut-être des choses plus éthérées, spirituelles, plus immatérielles,
Est-ce que ça veut dire que lui, il est plus à même de réaliser des pauses alimentaires ? Oui, tout à fait. Donc le pinéalien est plus à même à réaliser des pauses alimentaires dans le sens où, en règle générale, c'est la plupart du temps, ce qu'on va dire, des personnes cérébrales en morphologie, en morphotype. Ouais. Donc ces personnes-là se dirigent en règle générale vers du végétalisme déjà. Donc ils ont plus la relation alimentation ciel et enfin donc on peut les amener vers un peu plus de flexibilité alimentaire. Le thyroïdien, est-ce que pour lui ça serait envisageable aussi de faire des pauses alimentaires? Oui, tout à fait, c'est envisageable aussi. Il faut lui expliquer, il faut l'amener, lui faire voir quels bénéfices il peut en tirer. Et l'hypophysaire? Alors l'hypophysaire, lui, c'est quelqu'un de très cartésien aussi. C'est beaucoup plus contraignant pour lui. D'accord. En tout cas, donc il y a manifestement des profils davantage favorables à la pause alimentaire et d'autres moins favorables. Et d'autres moins favorables, tout à fait. D'accord. On rappelle que ce sont des tendances, ce ne sont pas des caricatures, ni de choses à prendre au premier degré en tant que tel. C'est un peu plus complexe que ça, bien sûr. Mais manifestement, certaines personnes, je crois comprendre aujourd'hui pourquoi, grâce à toi, ont plus de facilité à être en pause alimentaire et d'autres moins de facilité. En sachant qu'il y a X facteurs qui peuvent intervenir, il y a le morphotype, il y a aussi la personnalité, il y a aussi les antécédents, il y a la santé en tant que telle, il y a l'influence du milieu. L'influence du milieu aussi, c'est important. C'est très très important. D'accord. Est-ce que tu aurais envie de préciser quelque chose par rapport à tout ça et par rapport à ta pause alimentaire de 13 jours et par rapport au profil glandulaire? Toi, par exemple, tu es quoi? T'es un thyroïdien? Alors moi, j'ai un système glandulaire surrénalien qui domine. Oui. Le deuxième, c'est la thyroïde. Ma pause alimentaire, il a fallu que je la travaille. Parce que pour moi, l'alimentation, c'était quelque chose de très important. Mais à partir du moment où on m'a expliqué des choses. Très important, dans le sens où tu mangeais, il fallait manger, c'était important de manger, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Pour moi, il fallait que je mange pour avoir de l'énergie. D'accord. Mais à partir du moment où on m'a apporté les preuves, où j'ai appris le fonctionnement de mon organisme, déjà, j'ai passé cette barrière-là. Et donc ça m'a permis par la suite de faire cette pause alimentaire sans préjugés, on va dire. Avant les 13 jours de pause alimentaire l'année dernière, tu t'es préparé pendant 2 semaines avant, mais est-ce que tu avais déjà fait des pauses, ne serait-ce qu'une journée de temps en temps? Tu avais déjà fait ça? Alors tout à fait. En fait, maintenant, ça fait, on va dire, 2 ans que je jeûne tous les matins, ce qu'on appelle un jeûne intermittent. C'est-à-dire mon dernier repas de la veille se termine vers 20h environ et je ne mange pas jusqu'à midi, 13h le lendemain. Donc ça fait une pause alimentaire de 16-17 heures qui permet justement un début de déstockage au niveau du foie. De déstockage et de détoxination. De détoxination. Okay. Par rapport à avant où tu ne faisais pas ça, est-ce que tu sens quelque chose de favorable à le faire, à continuer de le faire? Oui, je sens. En fait, c'est le meilleur moment où je vais faire mon exercice physique, c'est au moment du jeûne. Forcément, puisque toute mon énergie, elle est disponible pour mon sport et non plus pour digérer. Donc voilà, je fais mon sport le matin à jeun. Très bien. Alors Patrice, je rappelle que tu interviens en tant que naturopathe maintenant dans le secteur grand, on va dire large, Nancy-Metz, Meurthe-et-Moselle, oui. C'est ça? Oui. Je laisserai tes coordonnées en fin de vidéo. Est-ce que tu voudrais préciser des choses sur ton activité? Alors, mon activité, déjà en premier, je suis naturopathe, donc je travaille sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie et les exercices physiques. C'est la base de la naturopathie, on va dire. Plus, on va s'aider d'autres techniques que sont l'hydrothérapie, la phytothérapie, etc. Je suis également praticien en Reiki, donc en soins énergétiques. Je prends des personnes en coaching sportif aussi à partir de la rentrée, donc de septembre. Et praticien aussi en massage bien-être. Praticien en massage bien-être, effectivement. En l'occurrence, massage californien suédois. Et AMA. Massage assis AMA, dont j'ai eu plaisir et privilège à former Patrice. Tout à fait. Voilà, et ça a été réciproque. C'est comme ça qu'on s'est connus. Bien, tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Non, je pense que... Je pense que ça, j'ai tout dit.
Eh bien, ma foi, s'il fallait donner une conclusion, peut-être une fois encore d'écouter son corps plutôt que sa tête dans sa relation à la nourriture, qui lui sait toujours ce qui est bon pour soi, pour chacun, mais aussi, une fois encore, je l'ai déjà dit, ne pas faire la passe d'un partenariat possible avec des professionnels, spécialistes du bien-être, spécialistes de la motivation, donc du coaching au sens large, bien-être psychologique, bien-être physique, de la santé au sens large, puisque la nourriture en conscience, c'est fondamentalement, non pas devenir pranique, ça je le dis aussi assez souvent, mais augmenter, améliorer, entretenir, cultiver sa santé physique, psycho-émotionnelle, une certaine joie de vivre au quotidien qui est directement corrélée à l'alimentation en tant que telle et à la relation que l'on peut avoir à l'alimentation et au-delà de ça, la conscience de tout ça. Patrice, j'avais envie de te poser peut-être une dernière question. Toi, dans cette spécialité large que tu as au travers de la naturopathie, est-ce que tu fais un lien, qu'est-ce que tu penses de alimentation et joie de vivre? Alimentation, santé, joie de vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui est évident pour toi, ce triptyque? Oui, parce que en fait, déjà, tout ce qui est surplus de l'alimentation t'encombre l'esprit. Forcément. Ouais. On sait très bien maintenant, il y a des physiciens qui sont en train d'étudier notamment la maladie d'Alzheimer, qui sont en train de l'assimiler au diabète de type 3. Hein, parce qu'en fait, au niveau des neurones, on a des capteurs qui viennent à cause du sucre, justement, voilà, atrophier certains neurones. Donc, le trop de nourriture industrielle et donc trop sucrée favorise la genèse de certains neurones qui favoriseraient, eux, l'Alzheimer, c'est tout ça? Tout à fait. Voilà. D'accord, intéressant. Donc, ça, c'est en train d'être à l'étude et c'est en train d'être justement. C'est ce qui est en train de sortir des études. Et globalement, il vaut mieux manger moins que manger trop. Tout à fait. On peut dire ça. Voilà. Mais moi, je dirais, il vaut mieux manger bien que manger industriellement. J'allais dire, manger moins, manger mieux. Voilà. Et bien voulant dire, plus rapproché de la nature et moins dans le cadre de la nourriture industrielle. Tout à fait. D'accord. On a souvent tendance, alors surtout, il y a certaines personnes qui ont souvent tendance à dire, je m'alimente, sans même savoir ce que c'est qu'un aliment. Ouais. Un aliment n'est pas forcément un nutriment. Un nutriment sert à nourrir vos cellules. Ouais. On va prendre un hamburger, par exemple, c'est de l'aliment. Mais est-ce que forcément on a les bons nutriments? Ça reste à boire. Est-ce que par là tu abordes de façon sous-entendue la notion de l'alicament, c'est-à-dire du médicament et aliment deux en un, qui va dans la démarche d'une hygiène de vie préventive? Oui, tout à fait. Ça fait partie justement de la notion de naturopathe, hein, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, pour augmenter ton potentiel, ton énergie vitale. Que ton aliment soit ton médicament. Tout à fait. Est-ce que pour autant, pour toi, toi qui n'es pas du tout dans la nourriture pranique, toi qui n'es pas du tout dans cette nourriture lumière, mais à minima dans la nourriture conscience, quand même. C'est quand même ce qui nous rapproche et nous réunit aujourd'hui. En termes d'alimentation conscience, est-ce que tu situes cette conscience, cette notion de conscience à ce que tu manges, combien, dans quelle quantité, dans quelle qualité, d'un point de vue diététique, nutritif, oligo-éléments, etc., etc. Ou est-ce que c'est plus large pour toi? Non, c'est plus la première partie. Hein. On va plus cibler la qualité de l'aliment que tu vas ingérer. Déjà, au niveau nutriments, on aura beaucoup plus de nutriments dans les produits bio que dans les produits qui auront été mis sous pesticides. Déjà, ça a été prouvé. Bien sûr. Nutritionnellement. Donc, forcément, quand on va avoir un apport beaucoup moins conséquent de nutriments, eh bien, on va manquer de certaines choses et donc avoir encore plus faim. Donc, manger plus de nourriture. Eh oui. Quand tu manges un aliment de bonne qualité, forcément, tu vas avoir moins faim et donc demander moins d'aliments. Corrélé à la pause alimentaire. Tout à fait. Dont tu as montré avec brio le regain d'énergie, parce que économie d'énergie consacrée à une digestion en moins pendant cette pause alimentaire. Pendant cette pause alimentaire. Voilà. Et qui contribue à plus de conscience dégagée de cette suralimentation. Tout à fait. D'accord, ok. Bien.
Merci Patrice. Je t'en prie. Merci à toi, Gabriel. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.